Et bonjour à tous, troisième essai. Autant le préciser, hein. On est sur Wormix et c'est l'épisode de la dissidence. Donc en fait, c'est un petit jeu Facebook et je l'avais oublié. Je viens de lui parler et je l'avais oublié. Bonjour, Liable. Salut. Ok, donc je disais. Ah ouais, et il y a son espèce de blonde avec. Bonjour, la blonde. Oh merde. Cordialement. Donc je disais, on est sur un jeu Facebook, parce que, après tout, pourquoi pas. Et ce nom s'appelle Wormix. Je sais plus si je l'ai dit. Oui, tu te répètes. Je me répète, c'est pas grave. C'est inapproprié, mais bon, voilà. C'est Alzheimer qui commence avant l'âge. Exactement, c'est presque ça. Alors, on va lancer pas du PVP parce que j'aimerais bien faire une partie avec Liable, mais c'est momentanément impossible. Donc, on va lancer du embûche. Parce que pourquoi pas. Voilà. Et on ira peut-être faire un tour sur le PVP par après. En supposant que ça soit contre un autre joueur. Alors, c'est un peu le même principe que Worms en fait. On se déplace avec les flèches. On saute avec Enter, ça c'est mal foutu. Et il veut pas sauter partout en fait. Ok, on va jouer comme ça, c'est pas grave. C'est la barre espace pour tirer. Et là, à tous les coups, je vais me faire péter. Je le savais. C'est magnifique. C'est merveilleux. Et donc c'est un chacun son tour, hein. C'est vraiment typique à Worms en fait. Alors, cette vidéo, vous la verrez que vendredi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que je la tourne en fait le mercredi, vu que le jeudi, je ne suis pas. Non. Oui, le vendredi, je ne suis pas là. Et je me suis trompé, vous la verrez le jeudi. Donc, je m'arrangerai. Ouais, soit. Va falloir s'organiser un minimum. Alors. C'est pas ton fort? J'ai pris trop de temps et j'ai sauté mon tour. C'est un peu nul. Donc il défonce le terrain. J'ai envie de dire pourquoi pas. On va changer d'arme. Et j'ai pas l'arme que je voulais. C'est embêtant. On va se téléporter. Parce que c'est gratuit. On va se téléporter là. Ok, et je fous le camp. C'est trop tard. Je peux plus. Il va me canarder, au secours. Ça va, il défonce plus le décor que ce qui me touche, ça m'arrange. Et donc, maintenant, c'est mon tour. Et... Et j'ai perdu. On va lui lancer une petite grenade du plaisir. Qui va me retomber sur le nez, je le sens. Vas-y, fais comme moi, je t'en prie. Ok, elle m'est pas retombée sur le nez, mais je l'ai échappé belle quand même. Et j'ai plus défoncé le décor qu'autre chose au final. C'est mon tour, on va changer d'arme. C'est l'ordinateur qui me maltraite. On va changer d'arme et on va prendre le lance-roquette. Parce que il me semble quand même que c'est le plus efficace. Et maintenant qu'il est dans le trou, on peut envisager les grenades. Et ça, c'est plutôt pas mal. Sauf qu'il me fait mal aussi. Pervers. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais alors, pas du tout. Ah ouais. On va s'assurer qu'il tombe bien dans le trou. Et c'est foiré. Je fous le camp. Très vite. Très vite à la vitesse de... Je sais pas c'est quoi comme bestiole exactement.
Et il me fait très mal. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. On va voir qu'est-ce qu'on a dans notre tirelire. On va lui tirer dessus, parce qu'il n'y a pas de raison. La première est partie. Et il me semble que j'ai fait beaucoup de dégâts. Ça a l'air bizarre. Et je peux pas tirer la deuxième. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que tu t'es blessé. C'est possible. C'est même fort probable. Alors, la petite grenade qui va bien. Parce qu'il est dans un trou et qu'elle sait pas rebondir partout. Il m'a fait mal quand même, alors que moi j'aurais jamais réussi un coup pareil. Il remonte, il est suicidaire. Et on va lui tirer dessus. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis il va mourir, de toute façon. Donc on va bien se mettre tout près. On va le pointer et on tire. Et je me suis fait mal en même temps. Mais c'est la victoire quand même. Et c'est un chien en fait. Ah oui, c'est des chiens. Mon toutou qui a une petite soif. Alors je sais pas si on l'entend, mais c'est horrible. On l'entend, t'inquiète pas pour ça. Deuxième bataille, le coup de bazooka qui part mal, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Lui, en revanche, il me rate pas. Alors on va tirer un peu plus haut. Et on envoie tout ce qu'on a. Et ça touche! Il me rate deux fois de suite. On envoie la sauce. Et ça touche. De pas grand chose, mais ça touche. T'es un gros dégueulasse d'envoyer la sauce comme ça. Tes allusions perverses n'ont rien à faire dans une vidéo Worms. Wormix, pour le coup. Allusions perverses que tu parles. Alors il se rapproche, on va voir qu'est-ce qu'on a dans notre petit sac. Un mouton, pourquoi pas. Le mouton qui va bien. Et il s'arrête pas tout près, imbécile. Ah ah. Eh ben non. D'accord, il faut appuyer sur l'espace pour le faire exploser. J'aurais su ça 2 secondes avant, ça aurait été cool. On va aller chercher la caisse parce qu'il n'y a pas de raison. Il serait un peu plus rapide, ce serait chouette. On envoie le mouton. Boum! C'est parce qu'il n'y a pas de respect. Il l'a bouffé celui-là. J'ai pas compris ce que t'as dit. Et puis t'as pas de respect pour l'ordinateur non plus. Ouais, si tu veux, je sais pas ce que t'as dit, c'est rien. Il n'y a pas de respect pour l'ordinateur. Non. C'est fini ce temps-là. Alors, la petite grenade qui va bien. Elle est belle. Elle est très belle. Et boum! 46 en moins. Et il me touche. Il fait mal. On reprend de la vie parce que ça a porté de main.
Et on envoie la grenade qui va bien. Et c'est foiré. Je ne vais rien dire. Ne dis rien. Et il s'est fait mal lui-même. C'est plutôt cool. On lance un peu plus fort, c'est trop fort, forcément. Alors il faut pas être nerveux pour jouer à ça. Sinon c'est foutu. Et j'ai envie de changer de grenade. Parce qu'il n'y a pas de raison. On va essayer d'avancer. Tu vas colouper. Il est pas speed du tout. Ce serait bien qu'il s'énerve un petit peu. Attention, ça sera tout dessus. Elle est belle. Elle est belle. Ah, elle est belle, mais elle lui fait presque pas de dégâts. Mais elle est belle quand même. Là maintenant c'est nouveau, je peux crafter des affaires. Tu peux quoi? Crafter. T'as vu ça où? Ah ben non, je t'en avais parlé hein. Ouais mais il faut 3 planches de bois. Le chèque ça crée 3 kilos. Ok, on l'a gagné. Et je n'ai aucune idée de la vidéo fait combien de temps. Je pense qu'on va en faire une petite dernière. Ou deux. Parce qu'on va aller voir le PVP. Je suis quand même curieux de savoir si ça reste local ou pas. Et maintenant, on est à la plage. Pourquoi pas, on tombe en hiver, mais la plage. Un peu trop. J'ai 2 ennemis au lieu de 1. Ah oui. On y va, on bombarde, on est juste au-dessus, c'est plutôt cool. Là j'ai fait du 2 contre 1. Pratiquement facile. Ouais, j'ai débloqué un minigun. On envoie. Alors, faut pas demander comme mon PC est au bout de sa vie, même le jeu Facebook rame du cul. Mais pire que ça, quoi. Allez, bientôt, tu vas avoir un nouveau PC. Il en a rien à foutre. Et il m'a touché. Et maintenant, il décide de grimper aux échelles. Non! Si! C'est la chute! Pas grave, ça ne pèse pas ici. En revanche, l'eau, ça noie. Aïe, aïe, aïe. T'as pas réussi à me faire tomber quand même. Pigeon. On va remonter ça un peu. Et boum! Il est mort. Attends, j'essaie d'apprendre à ma femme à jouer à celui-là. Ah, c'est pas évident. Ça parle mal, mais je suis pas sûr qu'elle ait les capacités pour y arriver. Alors, une offre spéciale. Pour cette truc rouge que je n'ai pas, donc tant pis. Je suis pauvre, c'est la crise. On va aller voir ce que donne le PVP, parce qu'il n'y a pas de raison.
Dans 7 secondes. 6. Un lapin avec un truc de Naruto. Pourquoi pas. Qui a tiré dans le vide d'ailleurs? Oh oui, tire comme ça. Tire. Tire. C'est bizarre. Allez, tire. Ah, c'est bon. Elle a tiré dans le sol. Ouais. C'est une idée comme une autre. Non, j'ai tiré sur le petit pas par terre. Je savais pas qu'il fallait pas. Alors le mec qui prend tout le temps du monde pour au final se foirer. J'aime bien. On retourne se cacher. Alors, le mec qui prend tout le temps du monde pour au final attendre. Je ne vois pas ce qu'il veut faire. Imen Min. Alors, je sais pas comment il fait le mec pour sauter en arrière en fait. C'est R. R ? Oui. D'accord. C'est quoi ce mec qui a tout le temps du monde et moi pas ? C'est quoi ? Type, il se promène, il fait toute sa vie. Après seulement il me tire dessus, il place une mine ou un truc ainsi. Et moi j'ai le temps de rien. Alors oui, je râle. Si, t'as le temps de mourir. Le mec qui a pas le temps quoi. Et il a un marteau pic. Ah, ça pique. Ah non, mais il a vraiment un marteau pic. Pas si nul que ça, j'en ai tué un. Je me TP parce que j'ai pas confiance. Voilà. Et pouf, je disparais. Il l'a pas fait. Eh ? Allô ? Ouais, je suis là. Ah non, moi... Ce PVP qui veut rien dire. Le mec.
Allez! Comment on fait pour se TP à cet espace? Ok. Je sais pas comment on fait pour ramasser les objets sur le terrain. Tu prends la caisse, c'est tout. Hein. Tu vas tout près, il les prend. Non, là, non mais là j'ai un chapeau. Je ne sais pas. Alors ce mec qui fait durer le suspense à mort. Et qui prend tout le temps du monde. De me battre avec un mec qui passe son temps à creuser des galeries. Ça répond à ta question ? Bataille passionnante, et puis j'attends. Et je me suis fail parce que je sais pas comment on utilise ce truc de merde. On utilise quoi ? Le jetpack. Tu maintiens la. Tu le mets, puis aussi tu appuies sur la touche du haut ou du bas pour monter ou descendre. Ah ben il a pas voulu. Jeu qui veut rien dire, quoi. Et boum! Et boum encore! Prends ça dans ta face! Il est en train de dormir. Et j'aurais dû me rapprocher de lui. Parce que je vais mourir. Eh, c'est violent l'arbalète! Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai une armada de caisses et je pourrais passer mon temps à toutes les prendre. Seulement, comme le bonhomme il a décidé de me foutre dans des galeries et de creuser dès que je bouge un peu, non. Et il a passé son tour. Ça veut dire qu'il n'a aucune autre arme. Attention parce qu'il va te taper dans le vide. Et si, il me tire dessus au bazooka. Bien. Et je suis mort. Et il s'est tué aussi. Ah bah bravo. Ah bah oui, bravo. Bravo, bravo. Et c'est la fin de cette petite vidéo de la dissidence. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas le like et le commentaire. Oui, je gratte.